Allez, c'est parti les gars, on est contre je ne sais pas qui, donc qui est niveau 8, donc on va faire ça, on va faire bonne chance, et on est avec notre petit molosse de lave aujourd'hui, comme d'hab en fait. Ah bah oui, mais on le change pas, tu vois, j'avais dit à un moment, si je me rappelle bien, j'avais dit, ouais, c'est passager, il y a un moment où on changera le molosse de lave, mais que dalle, il est tellement bien. Ouais, attends, c'est la seule légendaire que j'ai, et en plus, je l'utilise trop bien. J'ai envie de te dire, bah, qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Non, mais bon, bah, pas non plus, tu vois. Ah, oula, ou c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Vas-y, on voit le fuir gobelin, on voit tout ce que tu veux, c'est pas bon du tout. Non, 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 non. C'est bon ou pas? Non! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va, ça passe, ça passe. On a eu chaud, hein. Pouh, là, on a eu chaud. Bon, c'est bon, ça passe encore ou pas? Ça va? Ça va, ça passe! Je suis un petit enfoiré, n'empêche, hein. Petit cochon et tout. Je savais très bien que ça allait finir à la tour, comme ça, là. Petit cochon. Ah, j'ai fait exprès, mais bon. Ça va, c'est pas non plus extrême, quoi. Ça. Non, mais ouais, c'est pas cool. Bon, ouais, ouais. Je suis gentil, je lui laisse un petit peu détruire ma tour, voilà. Et après, on relance un petit molosse de lave. Ouais, sauf que toi, contrairement à toi, je sais manier le... Enfin, comment te dire, je sais... contrer le molosse de lave. J'ai eu du mal à le dire, celui-là. Je sais contrer le molosse de lave. Oh putain, j'aurais dû le lancer plutôt les hordes de gargouilles. C'est pas très grave. Hop, on enlève un petit peu de vie. Nickel. Et là, on envoie les petites féfèches. Nickel au KLM. Boum. Et voilà. Là, ça fonctionne pas avec toi, bizarrement. Ça fonctionne pas avec toi. On va essayer quand même d'envoyer. Ok, oui, c'est bon. Allez, vas-y, enfin. Ah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est pas très grave. On va quand même. La prochaine fois, je ferai mieux que ça. Vous inquiétez pas. Prochaine fois, je ferai mieux que ça. On va prendre le 3 étoiles, de toute façon. On va prendre le 3 étoiles, c'est sûr. Ou quoi que, je ferais bien un... Je sais pas, hein. On le fait ou pas? Allez, on teste. On teste, on sait jamais. Des fois, on arrive, de toute façon, on arrive dans la minute spéciale. Donc, on teste, on voit, et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça va. Je vais envoyer ça, histoire d'être bien. Ok, nickel ou pas? Ok, ça passe. C'est bon? Et ben voilà! Et ben, j'ai bien fait. Au moins, on se rattrape un petit peu. Hein. Ok, j'envoie ça. Nickel chrome, ok ou pas? Ça va, c'est tranquillou. Et en plus il a re... Oh mais il est complètement... Mais pff, il a rechargé les hordes de gargouilles. Enfin il a rechargé la horde de gargouilles. Forcément après qu'est-ce qui se passe? Bah ça tire sur les petits machins là. Et ouais non mais je te jure. Il y a des fois il y en a ils sont pas fut de fuite. Hein. Bon ouais, c'est pas grave, on va aller de droite. On va aller de droite tranquillou. On va mettre ça là. Est-ce qu'on va faire... On va le tuer ou pas? Ah on l'a pas tué. On l'a pas tué malheureusement, c'est pas très grave. Hop, on va essayer de mettre ça sur le côté. On va essayer de mettre ça. Nickel ou pas? Ça va, j'ai envie de dire ça va, tranquillou. Ok, on va mettre des archers. On va mettre... je sais pas ce qu'on va mettre de plus, tiens. Ah, les archers qui sont tués. Eh ben non, ils sont pas tués. Quoique. Ouais, bon, on n'a pas fait énorme. Hein. On n'a pas fait énorme, on n'a pas fait énorme. Bon, il vient d'utiliser son poison, donc j'en ai un peu rien à faire. Tranquillou, tranquillou. Ok ou pas? Ok. Ouais. Et bah ça passe, ça passe. Bah voilà, hop, on envoie des petites flèches tranquillou. Et boum. Bon, ce qu'on va faire, cette fois-ci on va arrêter de se faire avoir, hein, parce qu'à chaque fois on se fait avoir tranquillou. Ah mais vraiment tranquillou, hein, on se fait avoir vraiment tranquillou. Hein. Non mais ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci on va mettre ça là. Regardez, regardez. Hop là, allez, envoie, envoie. Merci. Hop. Et bah nickel, en plus c'est la petite là qui se fait... c'est génial, franchement c'est génial. Voilà, voilà, ça c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça là-haut. On va envoyer ça. Et là, il est dézingué, là. Là, il est dézingué à tous les coups, là. Ah, c'est moi qui te le dis, là, il est dézingué à tous les coups, là. T'es bon ou pas? Ouais? Non? Ouais, il a mis ça, ça passe. C'est bon, il a défendu. Bah, nickel, on se fait une petite... petite égalité. Franchement, je veux dire, on a bien joué. On a bien joué. Franchement, bien joué. Et puis, bonne chance pour la suite, mon petit. Ça, c'est bon. J'aime bien quand les égalités, comme ça. Ça, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir, tu vois, au moins tu vois, il n'y a personne qui perd, il n'y a personne qui gagne, et c'est plus de la compétition, c'est juste un petit peu un genre, bon allez, on se fait un combat, mais safe, tu vois. Ouais, on se prend pas la tête, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tranquille ou pépéroni, tu vois. Il n'y aurait pas un système de trophées, mais ce jeu serait génial, ce jeu serait génial. Ok pour le pay, enfin le pay to win, oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Mais ok pour le free to play, c'est normal, c'est le free to play, donc forcément, voilà. Mais... donc en gros tu achètes dans le jeu, tu peux acheter des trucs en supplément, tu vois, voilà, ok pour ça. Mais le mode compétition, c'est pas pour moi quoi. Bah malheureusement ça y est, faut toujours qu'il y ait de la compétition de partout de toute façon. Nos jeux de nos jours, c'est toujours ça, compétition, free to play, bon ok,
Mais il y en a, c'est pas free to play, hein. Il y en a, c'est pay to win. Et ça, c'est chiant. Parce que c'est un peu comme du Black Ops 3. C'est un peu comme du S-Go, là. Enfin. Je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, là. Tu sais, le mec, là. L'espion, là. Enfin, j'ai plus. Non, c'est pas un espion, mais laisse tomber. Oui, donc du coup, voilà. C'est S-Go, voilà. Donc du coup, c'est ce genre de jeu. Non, ne serait-ce que déjà, tu achètes le jeu, et en plus, tu dois dépenser derrière pour avoir des costumes, des machins, des nanana. Et ils te font croire en plus que tu peux les avoir gratuitement, alors que tu sais très bien que c'est faux, parce que d'ici 10 ans, tu les as toujours pas eu, quoi. Non, mais bon, il y a un moment où il faut arrêter les conneries, et ce genre de jeu, moi ça m'énerve, c'est fait que pour le pognon, et c'est le genre de jeu que j'ai horreur de jouer. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, le jeu reste sympathique quand même, hein, malgré qu'il y ait ce genre de choses, genre de compétition, tout ça. Malgré qu'il y ait ça, ça reste un jeu assez sympathique. Mais bon. Eh, c'est prise de tête quand même. Donc du coup, après du blabla, eh ben j'ai envie de vous dire qu'on va se quitter là, hein, ben voilà. Hein, arrêtons de parler pour rien. Et c'est quand même une petite attaque du jour, donc généralement c'est censé être rapide. Si je commence à parler pendant 2 heures, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, donc du coup, moi je vous dis une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.